QG, William Joyce est dans la bibliothèque. On attend vos ordres. Terminé. Reste pas là, Jack. Bien reçu. Gardez quelques hommes et attendez l'arrivée de numéro 1 Monarque. Le reste des forces doit se rendre dans la zone de collecte des chronons au cale sèche. Une fois là-bas, attendez les ordres. On va faire sauter la bibliothèque dans 5 minutes. On a perdu le contact avec l'unité de sniper. On inspecte les toits en ce moment même. Tenez-moi au courant. Bonjour tout le monde, bonjour les gens, bienvenue sur Papy Gaming. On est de retour sur Quantum Break. Donc vous vous souvenez, on avait réussi à revenir dans le temps à l'époque où Will n'était pas mort pour qu'il nous explique comment fonctionne sa contre-mesure. Mais il faut vite qu'on se dépêche et qu'on réussisse à intervenir avant que Paul le tue. Donc c'est parti, on traîne pas, on y va direct maintenant. Très bien. Donc, on monte. On va sauver notre frère, enfin on va essayer. Quoique en théorie, puisque tout ça est déjà arrivé, on devrait pas y arriver. Toute l'unité de sniper y est passée. Il a pas pu faire ça tout seul. On doit trouver qui manque à l'appel. C'est peut-être l'œuvre d'un traître. Il y a du monde là. Commençons par faire une liste du personnel manquant. Oui, il y a du monde là. Go. Cache-toi. Mettez-vous d'accord, bordel. Où est-ce qu'il est? Répondez-moi, bordel. Où est Joyce? Cache-toi. Ah, je peux plus me cacher. Ah, il défonce tout. Ici, je suis caché, là. Montrez-vous. Qui c'est qui me tire dessus? Oh, je l'avais pas vu arriver. Allez, viens toi. Tu peux te tirer à travers l'escalier? Ouais. C'est pas possible! Allez, on monte. Tous les deux au même endroit. Voilà. Yes. Ça c'est fait. Qui c'est qui reste? Le sniper là-haut. Parce que là je peux pas l'avoir. Voilà, là je vais pouvoir t'avoir. Ah, ça pique, hein. Ici numéro 1 Monarque. Annulez cette requête, j'arrive. Je vais m'occuper de Jack. Vous avez entendu. Repliez-vous. Numéro 1 Monarque, qui se pointe. Tiens bon, Will. J'arrive. Par où faut passer? Voilà, là on va recharger. Déjà. Il est jamais trop tôt. Je dois aller à la bibliothèque. Si Joyce est dans la bibliothèque, alors qui est-ce qu'ils ont vu ici? Oh, il y a du monde. Je sais pas. Ennemi repéré! Tu rêves? C'est merde! Allez, il meurt! Voilà. Attends, je vais aller recharger. Parce que je pense que ça va continuer les problèmes, hein? Y a pas de raison. Donc on a dit par là, c'est bon. La suite. Où il se cache? Oui, un sniper là-bas. Ça y est, il est mort. Par contre, le sniper là-bas, il va m'avoir de loin. Oups, hop, 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 hop. Me cacher.
Est-ce que je peux l'avoir d'ici? Je prends pas le fusil mitrailleur. Planque-toi, Jack. Ah, il y a un escalier, je me rappelais plus. Vas-y, reviens à l'abri. Ouf, ouf, ouf. Je sais même pas si je l'ai eu ou pas. Ouais, c'est celui-là que je veux. Ouais, je l'ai eu. Il meurt, j'ai dit. Voilà. C'est qui reste? Il reste un gros, je crois. Viens là, toi. Viens là. Et voilà, t'es mort. Oh, il y a deux gros. Ouh, ils résistent en plus, les bougres. N'approchez pas! Éliminez la cible maintenant! Oh la vache, ce qu'il faut leur mettre. Allez! Ici numéro 1, Monarque. J'approche de l'arrière de la bibliothèque. Oh non! Non! Il avance vite, lui, personne l'embête. Personne. Il y a un sac là, on va recharger. Je dois descendre. Ça s'est rechargé. Ça, c'est où? On recharge aussi. Voilà, impeccable. Allez. C'est par où? C'est par là. Il n'y a pas de temps à perdre. Je dois retrouver Will. Ouais, l'action là, elle est vraiment très intense. Dépêche-toi. Ça va jouer à pas grand chose à mon avis. Oula. Descends. C'est bon. Will ? Il est déjà parti. L'entrée. J'ai plus beaucoup de temps. Elle est où l'entrée ? On l'entend. Will ! Que rien à essayer. Au contraire. Et c'est pour ça que je... Ah, le v'là. Allez-y. C'est le moment où il va lui faire tomber le toit sur la tête. J'ai jamais voulu ça. Non, vas-y, mène-toi. En théorie, il devrait pas y arriver. Hein, puisque c'est déjà arrivé. En fait, il va mourir ici, lui aussi. Avec son frère. Waouh, il l'a retiré. Ah, donc en fait, on n'avait pas vu. On l'a cru mort, mais il est pas mort, en fait. On n'avait pas vu que j'étais revenu dans le temps pour le sauver. Et tout le monde l'a cru mort, même moi. Donc c'est jamais arrivé, en fait. Yes, super. Ouais, Jack, mon frère est pas mort, excellent. Tu m'as sauvé. Ravi de te revoir. Hey Will. Tiens, un cadeau. À la contre-mesure. Comment? Ça serait long à t'expliquer. Oh Jack. Will, dépêche-toi. Viens, faut y aller. Monarque l'a toujours eu. Est-ce qu'elle marche? Tu es venu du futur. Pour moi. Il y a encore la fracture. Pas encore. Elle marche? En théorie, oui. On doit aller à ma machine. Elle doit nous ramener d'où tu viens. Non, le futur. Non. On n'a pas le choix. Faut qu'on arrête la fracture, ici. Aujourd'hui, maintenant. Non, écoute-moi. La fracture n'était pas réparée, là d'où tu viens. Donc on ne pourra pas l'arrêter ici. Des gens vont mourir, Will. T'as pas vu les événements entre maintenant et après? Mais toi, si. Ce que tu as fait a créé une chaîne d'événements qui ne peut pas être brisée. On n'en sait rien. Et si elle pouvait être brisée, ça pourrait mettre le monde entier en péril. On n'a pas le droit à l'erreur. Il y a beaucoup trop en jeu, tiens. Je sais ce qui est en jeu, ok? Alors tu dois l'accepter. Tout ce que tu as fait pour arriver ici était nécessaire. Crois-moi. On ne change pas le passé.
Le futur n'est... Ok. Bah ouais, c'est pas aussi simple que ça. Oh bah nous voilà bien. Par ici. Si ce que tu dis est vrai, alors comment j'ai pu te sauver? Je t'ai vu mourir, Will. Réfléchis, Jack. Tu m'as pas vu mourir physiquement, n'est-ce pas? Non, non, j'ai vu le toit s'effondrer sur toi. Et tu as cru que j'étais mort. Oui, c'est ce qui t'a amené ici, pour t'assurer que ça resterait une illusion. Tout ça est une boucle. Si on voit le temps comme un œuf, alors... Arrête avec cette histoire d'œuf. Il recommence. Eh oui, donc il est jamais mort. Oh, il y a une source de chronon ici. Ah non, c'est pas une source de chronon, c'est quoi? Faut qu'on sorte de là et qu'on aille à la Bradbury. C'est un tag. Café baisse, maintenant on le sait. Oh, baisse-toi! Par ici! C'est une vraie boucherie là-dedans. J'ai besoin d'air. Les nettoyeurs ont intérêt à se manier. Attends! Attends qu'ils soient partis. Bon, je sais que c'est dur à avaler. Mais le fait que tu aies réussi à me sauver tout en maintenant l'illusion de ma mort vient renforcer la théorie que je défends. Le passé reste toujours intact. Si on s'en rien ne change. On risque et le principe de cohérence de Novikov triomphe. Oh, super. On fêtera ça plus tard si tu veux bien. Ouais, ouais ça serait bien. Hein. Allons sauver le monde d'abord. Là, on va rejoindre les autres. On les laisse partir. Allez, go. C'est bon, ils sont partis. Allons-y. Je suis surpris de voir que tu as attendu. On croirait presque que tu m'écoutes. Bah, la dernière fois que je t'ai pas écouté, la fracture est apparue. C'est pas faux. Alors je suis tes ordres maintenant. Ça ressemble pas à mon frère. Je sais. Je me méfie quand même. Même si je t'écoute. Ok, par ici. Ce serait trop dangereux de les aider. Je sais ce qui va arriver si je fais rien. Et ça arrivera quand même, Jack. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'exception. Si tu te foires en essayant de changer ce qui ne peut pas l'être, ça pourrait nous être fatal. Je t'en prie, Jack. Notre avenir en dépend. C'est facile de le dire. Tu as dit que Monarch avait la contre-mesure depuis le début. Comment? Pourquoi? Paul s'en servait pour alimenter un genre de programme de survie délirant. Ils ont dû l'utiliser comme une sorte de régulateur de champ de chronon localisé. Là, c'est mon ancien moi qui avait fait du grabuge. J'ai toujours cru que c'était Bess Wilder qui avait la contre-mesure, à l'abri quelque part. Après tout, c'est elle qui m'a prévenu. Il m'a dit de le construire. Ouais, je sais. Je sais. Tu l'as rencontré. Moi aussi. Est-ce qu'elle nous aide? Elle nous aidait. Ouais, c'est une fille bien. Ah, je vois. On peut en parler au présent, parce qu'à cette époque-là, elle est toujours vivante. Allez. Oh merde, attention! C'est quoi ça? Hé, Will! Par ici, vite! Oh oh. Qu'il a vu. Ah, c'est le moment où lui il se fait embarquer et que Burke va l'aider un peu plus tard. Et là, c'est Bess qui regarde. T'as envie de la défiger, hein? Je pense qu'il serait bien un petit peu amoureux, lui, hein, ça m'étonnerait pas. Ah, c'est ça, c'est Burke qui promène son ancien lui. Ah, il a bien du mal, je pense qu'il la kiffe. Ça doit être dur, hein. Quelqu'un que tu kiffes comme ça, que tu sais qu'il va mourir, et bon. C'est vrai que c'est une fille bien. Et voilà, les derniers moments, acte 5, partie 3.
je crois qu'on arrive vraiment sur la fin du jeu, là. Donc du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on voie ça ensemble dans la prochaine vidéo. Je pense que ça va vraiment être chaud, parce que là, déjà, l'action est vraiment montée en intensité, hein. J'en chie comme un bœuf, là, j'ai vraiment du mal. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour qu'on voie ça ensemble. En attendant, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Moi, je vous laisse. Allez, à plus. Tchuss, bye.